Incroyable 2023 marque la fin de l'ère Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Plus de 17 ans en tête à tête dans le football, la rivalité entre ces deux légendes dépasse toute rivalité de l'histoire du football avant eux. CR7 et la Pulga ont créé un écosystème très bien animé de l'Angleterre pour Cristiano Ronaldo à aujourd'hui en Arabie Saoudite. Ce monsieur n'a cessé de montrer au monde qu'il a été au sommet de son art. Léo Messi du Barcelone a aujourd'hui en MLS. Le génie argentin a tout donné pour le football et aujourd'hui à 38 ans décide de prendre une autre direction après Cristiano Ronaldo. Pour des statistiques très connues, Léo Messi compte plus de 810 buts, plus 300 passes décisives, 7 ballons d'or, 8 fois meilleur buteur, 6 fois meilleur passeur, première fois Coupe du Monde et plusieurs autres trophées comme la Ligue des Champions, la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Super Coupe d'Europe et d'Espagne, la Coupe du Monde des clubs et encore. Ce qui fait de lui le joueur le plus titré avec 43 trophées à son actif. Cristiano Ronaldo ou CR7 quant à lui, c'est l'icône du football moderne, lui c'est le recordman. Plus de 860 buts, plus de 190 passes décisives, 5 ballons d'or, 4 souliers d'or, plusieurs fois meilleur buteur en Première Ligue en Espagne et en Italie. Il possède aussi une très belle armoire à trophées, 5 ligues de champion Coupe d'Italie, championnat d'Italie, champion d'Angleterre et d'Espagne, champion d'Europe donc l'Euro et la Cour des Nations. Pour ne pas trop détailler, CR7 et la Pulga ont laissé une barre très haute en Europe et quiconque devenir le nouveau roi devrait battre les records posés d'abord par Cristiano Ronaldo et ensuite Léo Messi.